Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sous ce soleil radieux. Et cette lumière est magnifique sur cette pelouse de grande qualité, vraiment. Les conditions de jeu sont parfaites aujourd'hui pour cette affiche que vous attendiez tant. Vous le voyez sans doute, les tribunes sont pleines, la météo donne le sourire aux spectateurs. Pourvu que ça dure, allez, tout est réuni pour qu'on vive un beau moment ensemble. Juste un qualificatif pour ce stade, magnifique. Et on écoute l'hymne national de l'Italie. Pendant ce premier hymne, écoutons le second. Voilà une affiche qui va enchanter tout le monde, même ceux qui n'ont pas d'équipe favorite. Oui, et vu que c'est un match amical, on peut espérer voir les joueurs tenter des gestes un peu improbables, ou les managers essayer de nouvelles choses pour eux. Ça devrait être un match ouvert et agréable. Et coup d'envoi de ce match. Alors Darren, dites-moi, qui sera l'homme clé du match, selon vous? J'avoue que j'aime bien Giorgio Chiellini. C'est un défenseur qui inspire le respect. Il est grand, il est costaud, et en plus il a un bon jeu de tête, ce qui peut être très utile sur les coups de pied arrêtés, et en défense, et en attaque. C'est vrai que c'est un excellent défenseur. Touche donc. C'était une bonne intervention. Berardi qui a un peu d'espace. Jorginho, ça joue long vers l'avant. Berardi. C'est parfait, magnifique. Oh, il est solide, il récupère le ballon. Ah, c'était pas mal, mais le ballon est perdu. Il allonge vers l'avant. Immobile. Il écarte le jeu. Ouf, un peu d'air. Ça joue beaucoup sur les ailes, ça peut être une solution. Oui, face à une défense regroupée, c'est souvent la meilleure option pour trouver des espaces. Donc c'est plutôt intelligent. Kai Walker qui cherche la profondeur. Il change d'aile. Un long ballon vers l'avant.
alors qu'on s'approche de la demi-heure de jeu. Toujours pas de but dans ce match. Allez, on a vraiment besoin de voir quelque chose de spectaculaire pour nous réveiller un peu. Et un contact qui n'était pas régulier. Coup franc. Je peux comprendre que ce soit frustrant de se retrouver dans cette situation, mais il doit s'en vouloir, même si la faute était presque inévitable. Ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. Insigné et un but splendide. Quel bijou. Yes, goal. Et le voilà, le premier but dans cette rencontre. Et cette trajectoire qu'il a trouvée, la classe. Il savait qu'il pouvait marquer de là où il était. Après, rien à dire sur l'exécution. Bien, c'est reparti, ça fait 1-0. Ils ont le match en main, mais attention à bien rester concentré. Transversal. Allez, il faudrait aller de l'avant maintenant. Il passe sur l'aile droite. Trippier. L'Angleterre qui essaye de construire. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Trippier reçoit le ballon. C'est centré dans l'axe et la tête. Envoyé par là-bas. Bonucci. Bien joué, ses passes en profondeur sont toujours dangereuses. Il décide d'allonger le jeu. Ça joue à gauche. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. Et c'est le coup de sifflet, c'est la mi-temps. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé pour eux. Oui, l'entraîneur va peut-être se poser des questions pendant la pause. Il faut surtout que ses joueurs s'appliquent, qu'ils soient plus concentrés. Et le jeu a repris ici, d'ailleurs. L'Angleterre n'a aucune raison de paniquer. Il reste quand même 45 minutes pour jouer, pour revenir dans cette rencontre. Ça joue de l'autre côté. Sur l'aile, bonne inspiration. Sterling. Trippier. Bon service dans la profondeur. Oh, voici Kane. Locatelli. Kyle Walker. La bonne passe. L'Angleterre est toujours menée 1-0. Il va falloir se lâcher un peu maintenant pour tenter d'égaliser. La passe en profondeur pour Shaw. Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre? Ils sont menés, mais ils ne baissent pas les bras. C'est bien, il faut continuer dans cet état d'esprit. Et le ballon continue de lui coller au pied. Ce sera donc un corner. Le ballon sort en touche. Et il cède sous la pression. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on! Allez, l'heure n'est plus au calcul. Exact.
Verratti. Dans la profondeur, bien vu. Un centre. Et ce dégagement un peu manqué. Voici Saka. Stones. Un bon ballon vers le côté pour filer droit au but. C'est l'occasion de procéder à un changement. Et c'est par surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va leur faire du bien. Ça part de l'autre côté. Le ballon sur l'autre aile. Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne qui a déjà marqué aujourd'hui. C'est bien fait. Et le centre bien placé. Danger repoussé pour le moment. La défense est en sursis. Ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. Mings. Il va falloir trouver des solutions maintenant. Ils n'ont plus le choix là, il faut y aller franchement. C'est joué long. Ça passe à droite. Voici Saka. Dans la profondeur. Attention, Sterling. Oh, quel bel arrêt. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi je la voyais dedans. C'est joué court à deux. Kane. C'est centré. Il relance côté droit. Il centre encore. La tête. La transversale. Et il manque le geste décisif. On voit qu'ils ont vraiment envie de ce but. Vous avez vu le nombre de joueurs qu'ils avaient dans la boîte? C'est terminé, l'arbitre siffle la fin du match. Non, on ne tirera pas aujourd'hui sur la défense malgré cette défaite. Ce sont les attaquants qui ont manqué de conviction et surtout de précision. On peut dire qu'ils ont laissé passer leur chance. Ils ont eu beaucoup d'occasions quand même, malheureusement.